Donc tous s'abonner bien surtout ce mon compte officiel pour vous donner information sur le site de la Karima Kondi la baronne Nayeli Soussou Tokobunda Nanzoto te Big up fire boom boom fire Karima Kondi c'est juste un big up Karima Kondi la baronne culturel, tout est côté politique, donc tous abonnés, chaîne à mon compte YouTube chez Mokondi officiel. Fidèles abonnés de Tendance Télévision, bonjour. Vous avez devant vous votre humble servante Juju. Je veux vous accompagner tout au long de cette émission. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes là devant vos petits écrans, que vous êtes là devant vos appareils numériques, que vous êtes devant vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs pour m'accorder de votre temps. Donc, sans plus tarder, je veux entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du tourisme, au fait, de la nature, vous voyez. Nous allons parler de l'espace vert que regorge notre pays, vous voyez. Notre pays est riche, c'est un pays potentiellement riche. Il a de l'espace, il a le minerai, il a la verdure, il a la nature, il a de l'espace vert. Il a même des sites touristiques qui ne sont pas exploités, qui ne sont pas visités et qui sont même inconnus. Les gens ne savent même pas que ça existe. Aujourd'hui, nous sommes dans un site à Kimwenza, dans une concession réservée à une mission. Une mission, ça veut dire une mission catholique. Et nous avons été reçus par cette mission dans le cadre du tourisme, dans le cadre d'une excursion. Alors moi, j'en ai en profité pour prendre des images pour vous faire voir comment est-ce que notre pays, il est beau. Comment est-ce que seulement à Kinshasa, nous avons des endroits que nous n'avons pas encore découverts. Je demanderai à celui qui m'accompagne derrière la caméra, à Fenet Mokonzi, d'ouvrir un peu le champ, de vous présenter. Par exemple, vous voyez là cette grotte. Venez, s'il vous plaît, si on peut s'avancer. Vous voyez, par exemple, imaginez-vous ça. C'est tout à fait naturel. Ça n'a pas été taillé. Vous voyez, cette grotte, elle est naturelle, elle n'a pas été taillée. Mais regardez comment est-ce que cet endroit magnifique, aussi beau que soit-elle, pardon, aussi beau que soit-il, cet endroit n'a pas été, elle passe là inaperçue. Les gens ne viennent pas pour visiter. Vous voyez, il y a assez d'espace. Je veux vous faire visiter un moment pour que vous ayez au moins la carte postale. Mais avec vous, venez avec moi, vous allez voir. À quoi ça ressemble. Regardez. Par exemple, quand vous entrez là, vous voyez même que sous le sol, il y a de l'eau qui passe. Vous voyez? Il y a de l'eau sous le sol. Donc, il y a une source sûrement. Je ne sais pas d'où elle est, mais puisqu'il y a cette eau, on sait voir qu'il y a une source quelque part. Mais elle est où? Je ne sais pas. Donc, et pourtant, à Kinshasa, il y en a qui manquent d'eau. Et pourtant, il y a l'eau partout. C'est un pays où on ne peut même pas manquer de l'eau. Bon, il fait noir, je ne sais pas, on ne peut vraiment pas trop voir à l'intérieur. Mais vous voyez qu'il y a une échelle. C'est-à-dire que cette grotte, on peut y monter. Donc, on peut monter à l'échelle, là, vous voyez. Donc, nous pouvons y monter et aller de l'autre côté. Je ne sais vraiment pas jusqu'où elle ressort. Mais je vous le mentionne encore, c'est naturel. Ça n'a pas été taillé. Ce n'est pas du genre que y a des ingénieurs qui sont passés pour tailler. Non, ce n'est pas taillé. C'est vraiment naturel. Donc, si le ministère du Tourisme peut essayer de voir un peu tout ça, essayer de voir les endroits qui ne sont pas visités à Kinshasa, essayer d'exploiter ces endroits-là, parce que ça peut régénérer, des bénéfices, ça peut régénérer du gain à notre gouvernement, vous voyez, surtout le ministère du Tourisme. Fenech, s'il te plaît, si tu peux ouvrir le champ, regardez tout autour de vous. Regardez seulement cette verdure. Vous voyez, tout ça. C'est beau, c'est paisible, c'est calme. Mais je vous dis, pour y arriver, seulement arriver à cet endroit, ce n'est pas facile. Pourquoi? Pourquoi c'est pas facile? Parce que, comment je dirais, la route est impraticable. Donc, du coup, nous sommes venus en bus. Nous avons laissé le bus quelque part. Et après, nous sommes allés. On a envoyé pour nous des jeeps, au fait des 4x4, pour nous prendre de la grande route, parce que nous étions sur la grande artère. Au niveau de Mongafula,
les 4x4 sont passés, nous prendre là, je vous dis que la route, elle est impraticable. Pour arriver à cet endroit, c'est vraiment tout un calvaire. Vous voyez, le milieu n'est pas urbanisé. Il y a des constructions anarchiques. Nous nous demandons où va notre pays, vous voyez. Regardez un peu. Là, par exemple, s'il te plaît, Fenech, si nous pouvons avancer. Vous voyez, par exemple, là, il y a une de mes consoeurs qui... On profite aussi pour faire un reportage avec les enfants. Mais imaginez-vous que puisqu'il y a des enfants, ça veut dire qu'il y a une population qui vit ici. Vous voyez, il y a une population qui vit dans un endroit comme ça. Nous nous posons la question, est-ce qu'il y a-t-il de l'électricité? Est-ce qu'ils ont-ils de l'eau potable? Comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir? Nous ne savons pas. Et pourtant, ce sont des endroits comme ça qu'on peut exploiter par le ministère du Tourisme pour faire des endroits comme ça. C'est paradisiaque, au fait. Vous voyez, c'est vraiment paradisiaque. Mais c'est abandonné comme ça. Et pourtant, on peut injecter de l'argent dans cet endroit. On peut construire ici. On peut construire. On peut construire, je ne sais pas moi, des logements afin que ceux qui viennent de loin viennent passer un séjour paisible ici, vous voyez. Par exemple, la diaspora, qu'est-ce que vous faites là? Venez acheter dans un endroit comme ça, venez faire développer votre pays. Parce que là, il n'y a rien. Ils peuvent planter. Par exemple, là, juste derrière la caméra, par exemple, regardez là, derrière la caméra là, il y a le champ, vous voyez. Il y a le champ, ça veut dire que bon, c'est juste un petit endroit. Mais vous voyez un peu comme c'est beau. La nature, elle est belle. La verdure, elle est belle. Mais c'est comme ça, c'est abandonné. Il n'y a pas assez de fonds pour faire développer tout ceci. Donc, nous demandons au gouvernement d'essayer de voir tout ça là. Le ministère du Tourisme, d'essayer de c'est dans des endroits comme ça qu'on peut injecter de l'argent pour faire développer le milieu. Vous voyez ? Kimwenza est pratiquement, on peut dire, comment je dirais, c'est pratiquement vierge. C'est grand. Si vous allez de l'autre côté, d'où nous revenons, il y a vraiment de l'espace. Mais c'est mal construit. C'est vraiment mal construit. Et pourtant, il y a vraiment de l'espace. Voilà. Par exemple, si vous êtes de la diaspora, vous pouvez venir à des endroits comme ça. C'est paisible. Vous venez en famille. Vous venez faire développer. Parce que si on construit un site, comment je dirais, un site touristique ici, vous verrez que ça pourrait régénérer du gain ou de l'argent au gouvernement, au ministère du Tourisme. Donc, fidèle abonné de chez Mukonzi officiel, c'est vraiment pas une parenthèse, mais j'ai voulu partager avec vous ces instants, parce que là, nous sommes en excursion, mais je me suis dit, je ne peux vraiment pas laisser passer ces moments comme ça. Je vais en profiter pour vous faire découvrir le bel endroit sur où nous nous trouvons, vous voyez, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, comment c'est beau, comment ce pays est grand, comment ce pays a des endroits où on peut venir vivre paisiblement, loin du bruit de la grande ville, loin du bruit de toutes les tracasseries qui puissent exister dans la capitale. Par exemple, la route universitaire. Imaginez-vous que Tongo Tozo Longwa, comment je dirais, la bypass, si je n'abuse, Potoya Kokotana. Nous avons fait un détour. De Toro Tosalaki, Tolongwe, Ipen, en fait, Oti, RTNC, Tolongwe, Ipen, Toye, Mongafula, Totiki, Buswana, Batinel Biso, Ba 4-4, et Memi Biso, Tokotina Katia Mongafula. Vous voyez, Tokotina Katia Mongafula, et Sali que Toye Komiko Tama Awa. Donc du coup, comme c'est pas urbanisé, je ne sais vraiment pas expliquer que nous avons emprunté quelle route. Nabiko expliquer. Parce que c'est pas urbanisé. Ministère, il y a urbanisme. Qu'est-ce que vous dites? Ponako urbanisé, Netiba quartier Boué. Apparemment, c'est Toyebite. Sikoyo, Neti tourisme. Et ça va endroit Bokiko Yako Tala. Pour qu'on fasse développer Bokiko en partenariat na. La mission, par exemple, vous développez davantage pour que touriste va y aller. Parce que tourisme, écoute, ça comme un bel nature, car il y a pas mot verdure seulement. C'est moi la verdure que vous voyez là. La verdure, c'est de l'argent. Pour que nous arrivions, Tokota Anaki Mwenza, Tokoka Kiko Kote la Tenanzela et Utaka. Vous voyez, quand vous quittez, par exemple, le rond-point Ngaba, triangle Moko Ezakawana et Matisakana Sainte-Pépé et Memakati na, comment je dirais, internet Yaki Mwenza. Mais tu crois qu'on empruntait cette route? La principale, on ne pouvait pas l'emprunter. Pourquoi? Parce que Zéla, à un certain niveau, est Katani et Zamabé.
nous avons dû faire le détour, donc aller par, passer par les peines, pour que Tosuka na monga fula, dans Tosuki na monga fula, Totiki buswana, Tosu ba 4-4, nde me mibiso tibe sika oyo. Par exemple, Biloko ya boye, vous voyez, et pourtant place ya boye, bako ki ko tiambon ebele, gouvernement tiap ba place ya boye, ba mongo ebele, au lieu que batuba kendara ka ba kinkole, batuba kendara ba maluku, batuba kyo ya pena ki mwenza. Au moins, la municipalité a Kimwenza, et ils ont côté Sambongo. Parce que ceux qui ont été na Kimwenza, ils ont été stands na Kimwenza, ils ont été ba payotes pour que les gens soient en Kinkole. La municipalité a été en Kinkole. Et que, bah, y a, je crois que Kimwenza est dans la commune de Mongafula, si je n'abuse, au moins que la commune de Mongafula aussi a corrigé les bénéfices. Tout ça, il faut que tu aies la Makambuya Bongo. Endroit où ils sont très calmes. Ils sont vraiment calmes, ils sont posés. Mais. Ils ont abandonné. Je vous dis que ce qui est bon outil, Nzela yamune n'est pas beau qui t'a boué. Nzela ezate, c'est impraticable. Et là même nous sommes en saison sèche. Et quand cadre viendra-t-il quand saison de pluie koya? Et que ça ande nini? Parce que le sable qu'il y a là, ce sable sûrement qu'on se transformer en boue. Et je, déjà namabélé pour que mitouke les kesa passe. Maintenant imaginez-vous ce qui est que Moule Betty, ma belle Oane Sali Poto Poto. Donc, je vais vous montrer comment c'est. Et pourtant, c'est un bel endroit. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Nous n'avons pas eu l'occasion, il y a cause les images, comme je disais, parce que Tozalaki, Tokokai, qui a réquisitionné le moyen de transport Tozaki Nangote. Donc, et quoi que ça n'allait pas être possible. Pour que Tozalabino, image et espace nuance sur Tuana. Vous voyez, il y a des gens qui sont au gouvernement, qui sont dans la municipalité, qui sont un peu comme ça, dans l'endroit où ils allaient, qui sont faire développer, qui ne font que écoute, ça m'attend à un tourisme. Bah, tu ya ah, toi qui n'attends qu'il m'ose à couna, grosse moko boye naturel des Akawana, bah, bazo tala, bah, tu es un parc d'attractions, ah, bah, par exemple, bazo ya na bana, bah, bongi si banzela, et qu'on a la malamou. Bah, na bazo mona la verdure, moi, na zo tanga les plantes kaka na classe, mais tant azo mona la verdure, boy, azo mona. Les arbres, tout ça. Et ça, c'est pénissapé. Et vous savez que la nature, elle est paisible. La nature est paisible. Et on te sengi que ce qui, la municipalité, le gouvernement, bah, jeter encore un œil dans la place à Bouy. Dans le quartier, le quoi, bah, qui moins à Oyo. Jeter un œil dans la commune, quoi, bah, Mongafula. La commune de Mongafula, elle est trop grande, elle est immense. Ce qui va que tu as là-bas, endroit où tu as monique, et si tu as Oyo, tu as créé. Bah pas d'attraction, il y a bana, tu as créé bah endroit, il y a bah repos, tu as créé bah espace touristique. C'est vraiment important. Et ça vraiment important. Et puis, qu'on batte là l'écologie. Vous voyez, qu'on batte là banzete bah verdure. Parce que si bah kati banzete bene. Et à la manière dont bah tu vas construire aranachiquement, bah aussi sa banzete n'y a soya koto yo. Tu as peine pour ça ya banzete. Donc, Deli Kambo, biso tanto moni bongo, tomilobite. Il faut tout ça la reportage quand même. Donc, il y a une rubrique haute, il y a un reportage, il y a une rubrique et qui a plus de une heure de parce que c'est juste un reportage, vous voyez. Donc, il y a juste un reportage pour qu'il y a des espaces encore inexploités. Il y a des espaces verts qui sont inexploités, qui ont besoin que le gouvernement mette la main à la pâte pour qu'on faire développer bah, espace wana. Des buts de reportage, tout ça, les libinos, dans chez Mokonzi officiel. Tous autres travaillaient en parallèle la chaîne. Il y a Tendance Télévision, il y a Monsieur Francis Mia Tembo, et puis tous autres travaillaient en parallèle la chaîne. Il y a Fenech Mokonzi, c'est lui qui est derrière la caméra. Donc je m'en vais remercier toutes ces personnes qui ont été là au Balandinga, dans le cadre du reportage, parce que tous les rubriques Nabiso ou les allées reportage, rubrique Nabiso et reportage, les rubriques où ceux qui t'ont monié locaux, t'ont sali juste une séquence, peut-être il y a 15, 20, 10 minutes. Pona ko la kisana bayi keke bota la mboka na biso makambo ezo leka eza juste pona ko la kisana ba tout bota ba fait sociaux eza na mboka na biso to bota la eloko ya modèle boye eza na mboka na biso débute au biso to saleli reportage oyo na ye ko pesa mbote na batu nyonso tout o balandingai merci pona ton abino obo akordinga bino nyonso bozana sima obozo landanga en direct ou bien en rediffusion na remercier bino mingi na remercier Karine Mokonzi la baronne la uno de la presse en ligne de la communauté congolaise na remercier ba chinoise na ba chinoise nyonso tout ya Karine Mokonzi la baronne na remercier ba tout nyonso to balandinga to ebi que hein biso ba congolais to nga mabanga ezanga te
ma banque zali tonga kama banga maman Pauline Chako kitoko peta epenyon son maman malava maman kitoko kamata ba bisou na pesi ba bisou nanga na Mujakina maman Mujakina Jaki ba bisou belé na pesi ba bisou na Mimi Bonebe la marraine de la Chine hein on a vraiment ceinture à Karine to pesi ba mbote na ba bisou belé na Mimi Bonebe madame ya Trésor Ngando Barbarita Mokulu Kelagne Keliane ya Barbarita jamais na bosana maman na LG na Keliana en tout cas na baba to bi ke ba na ba komba anglais wana nga koka moté ma papa de deux voisins ba kombo na yo ya anglais ya bana wana donc fondation Ewing Barbarita Mukulu Keliana la diva la di Galiana d'amour na pesi ba mbote na ba ko animatrice na ngai otoza bango tous les jours de tout le temps de tous les jours Karine autorité morale Miao Suzuki Kimia Uno The King Xbox ba, Karine Bala Vanessa Fatima to pesibino bambote belé na pesibino bambote belé na pesiba tu nyoso tu o bazo landa biso na chez Mokonzi. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, n'oubliez pas de pousser un like. Donc au Monica na c'est à titre hein, sous le titre là, vous voyez là sous le titre il y a un like. Moi que ça dit boué, moi que ça dit boué, ce que pas ça, ça. Tu cliques là. Au cliquer wana, après tu vas maintenant là à droite. Au moins pour ceux qui ne sont pas abonnés, va là à côté, tu vois. C'est écrit abonné, clique là, pam, tu cliques. Tu vois là le menu concession et fonds amis. Maintenant, dirige la cloche, tina toutes. Clique là. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi de laisser un commentaire pour la rubrique Nabisso. Donc il y a un reportage, rubrique comment dans mon reportage. Laissez le commentaire hein, en dessous là. Là, juste là en dessous. Laissez le commentaire. To pesi bambote na fenek mokonzi oza na sima ya. Ya caméra. Moutali bosa si misi nga micro et fenek. Nga na tika si ma micro na vi na ngate. Donc de na zabwe, parrain na nga ya micro. Eza fenek mokonzi mouta si misi nga micro. Mais moutou a baptisé nga. Hein, quand si ma micro boue du genre que na simbi boue, c'est fenek. Mais moutou a bimisi nga que na banda kosa la ba animation. Eza Karine Mokonzi la baronne yemoutou a lobi que salaka ba animation. Donc na cadre toujours yaba innovation ezana chez Mokonzi to pesino bambote belé papa Francimi ya tembo bambote nayo papa Efemi en tout cas bande ko nyo surtout oyo baza en ligne le père na pesion beauté na pesin beauté pena bande ko nyo surtout baza ba chinois té ce que lingi o adhéré la Chine eza polé les quota Chine to bengana mutu té donc bisous na bino nyo. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que cette eau bénie, cette eau toujours, mais cette grotte, qu'à travers cette eau, le Seigneur. Vous avez vu que j'ai porté cette étoile ici. Ça a un message. C'est écrit SIC. Hein? Sacerdoti Italia Calcio. C'est l'étoile de mon équipe. Même si j'ai le ventre, je joue encore au football. Hein? Je fais partie de l'équipe nationale des prêtres italiens. Hein? Il y a une équipe au niveau européen. Hein? Moi, je suis même. En italien, on l'appelle Bombay. Donc, tous chez Ali. Donc, si tu as la terre à foutre du matin, Donc, je fais partie de l'équipe de prêtres italiens. Nous avons une équipe où il y a des prêtres qui sont dans les différentes diocèses de l'Italie, du nord au sud de l'Italie. Et chaque année, nous organisons aussi des tournois au niveau européen. Parfois, en 2000.
8, nous avons organisé, nous, au niveau de l'Italie, parfois, bon, j'ai même joué à Nazareth. Simbaba à Nazareth, pas Yézabotama, Somme. Donc, ça nous a permis un peu de... Je voyage beaucoup pour, hein, sur le compte de cette équipe de football. Donc, nous allons prier. Donc, je remercie aussi, hein, j'ai profité de l'occasion, faire un message en italien. Cari fratelli sorelle, soprattutto i miei amici, i Sikh, sono qua da questo luogo che è una grotta naturale, è una grotta naturale che è qui nella periferia di Kinshasa. E oggi ho ricevuto tanti amici, sono tutti giornalisti della televisione nazionale del Congo. Sono venuti anche loro a scoprire questo luogo meraviglioso e spero che un giorno anche voi, miei amici del SIC, potete venire a visitare il Congo e soprattutto arrivare a questo luogo che dedichiamo proprio alla Madonna, questa è una grotta naturale. E l'acqua che è dentro qua usata per benedire i miei fratelli e sorelle è l'acqua che viene proprio dalla terra, sottoterra. Allora speriamo che questo luogo sarà come Lourdes, come Fatima e come anche Medjugorje. Allora, dall'Italia, dal Congo, vi mando la mia benedizione, cari confratelli. Ho portato la nostra stola e ho fatto conoscere la squadra a questi nostri amici. Quindi anche loro hanno capito che c'è una squadra dei sacerdoti, i sacerdoti che pregano e anche che giocano, perché tramite il calcio noi cerchiamo a condividere, a trasmettere il Vangelo di Gesù. Quindi Don Jordan e tutti voi, grazie, un saluto dall'Africa. Ciao. Ciao. Vous donnez la force aux apôtres qui leur a envoyé l'Esprit Saint du paradis. Envoie-nous cet Esprit Saint. Que l'Esprit Saint comble. Être présent dans ces lieux. Nous te demandons, en ton nom Jésus-Christ, de briser toutes les forces démoniaques. En ton nom Jésus-Christ, nous implorons ta puissance, ta grâce et ta paix. En ton nom Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Marie, je bénis ces lieux. Et je bénis tes enfants si présents, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue. Donc tous abonnés du soutien chez mon compte officiel. Vous avez information sur le site de Lingaka. Karim Mokondi la baronne Nayeli Soussou. Toko Bunda Nanzoto Te. Big up fire boom fire. Karim Mokondi, c'est juste un big up. Karim Mokondi la baronne. Culturel, tout était côté politique, donc tous abonnés, chaîne à mon YouTube chez Mokondi officiel.